l'épisode 10 de la série Je danse ma vie. Aujourd'hui, je vais vous parler des habillements, du maquillage, de la coiffure dans les compétitions. Vous en faites pas avec ça. Je me maquille pas. Je me coiffe pas. Je m'habille pas comme ça à tous les jours. Je veux pas venir pas ça. Une compétition, t'es habillé coiffé, maquillé, pas comme tu t'habilles d'habitude. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'il y en a souvent qui disent ah, elle est trop maquillée, elle va vous ouvrir là-dedans. Faut pas s'en faire avec ça parce que c'est juste pour la compétition. C'est du spectacle. C'est une comédie, c'est un personnage, c'est quelque chose que tu émites. Mais que t'es pas dans la vraie vie. En termes de look, je ne suis pas super. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est nul, nul, et je suis re-nul. Alors, c'est tout ce que je peux vous dire à ce sujet. Merci. C'est que dans les compétitions, faut que t'ailles un habit en lien avec ta chorégraphie. Et cet habit-là, faut pas que ce soit un habit normal. Faut que ce soit un habit original. Qui sort tout droit du futur. Ou du passé. Ou du présent. Parce qu'il faut pas que t'ailles l'air de danser dans ton salon, mais faut que tu sois waouh! Tu sais, on s'habille pas comme ça à tous les jours. Là. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'il y en a qui se demandent pourquoi on met notre BDM en valeur. Qu'on porte souvent les morceaux à deux pièces. C'est que ils veulent voir si on travaille assez jusqu'au bout, si on travaille aussi des abdos, puis que nos joues sont étirées, nos genoux sont étirés, ou les pieds sont prêtés. C'est très important. C'est vraiment plat. Les costumes, oh, ça sert à rien. On pourrait danser en léotard. Puis le maquillage, des fois aussi, ça colle, ça sert à rien. Alors, du coup, je suis assez belle là, maman. Puis, oh, ça tire les cheveux, là. La coiffure. Non, vraiment, là. Non, c'est vraiment, là. Non, on pourrait rester dans notre salon même. Tu sais, on pourrait danser en camisole, puis on serait parfait. Là. En tout cas, moi, j'adore la coiffure. J'adore le maquillage. J'adore le costume. Je trouve tout beau. En tout cas, j'adore complètement tout ce qui est dans le spectacle. Le maquillage, on fait ça pour faire ressortir l'émotion. Et juste pour préciser, je ne porte pas ça à l'école. Même que j'aime pas ça avoir ça en compétition. C'est sûr que c'est beau, mais ça prend des heures, puis ça fait mal aux yeux, puis il y a pour 2 minutes. 2 minutes! The countdown has just begun. Are you ready? Let's go, 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 go! Ça prend ça parce qu'il y a des poils qui sont alloués à ça, et aussi, ben. T'es fière de ton allure sur la scène, tu sais, tu peux pas. Sinon, on verra rien dans ta face. Faut que tu mettes tout le maquillage, parce que sinon, on voit pas tes yeux et ta bouche. À cause de trop, il y a trop d'éclairage. Écoutez bien ce que je vais vous dire.
Le maquillage, la coiffure, l'habit, c'est un tout. C'est ça qui fait que tu gagnes des points sur la scène en compétition. Mais ça, c'est les points qui vont avec l'allure, pas les points envers. Pour boucler l'épisode, je voudrais vous dire que le costume, le maquillage, la coiffure, c'est important dans le tout de la compétition. C'était rien que pour vous boucler. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez j'aime, abonnez-vous. Et je vais voir un message. Dites-moi c'est quoi votre passion. À la prochaine. Peace guys. Show normal qui danse, là. Sinon ça regarde.